Terpali, Tuina, Luna, Ayotnai, Tuaro, Valona, Inotui, Nakolo, Kimitui, Nakolo, Terpali, Kumaya, Kishimi, Mamangit, Mamangito. Vivre à cloche. Pourquoi? Une angoisse s'élargit, gonfle, s'ouvre en se bobinant, on ne palpite le cœur, ferme les yeux, presque en panique noire qui s'infiltre de l'estomac, aux ongles des bras se coince, rentre, et puis soudain sa part s'envole à l'odeur de vache, un regard triste dans un espace où l'immeuble est à personne, vidé en train de se détruire, rester encore debout, pour moi, pour l'autre, comme moi presque. Et l'autre face de la médaille a arrosé fertilement à se faire accepter de créer, faire partie d'un gros mal intestinal. D'abord, il faut reconnaître que dans l'étouffement et l'étroitesse de Paris, ouvrir un squat a quelque chose de magique. On découvre au sein d'un monde où chaque centimètre carré a l'obligation d'être utile, une porte qui s'ouvre sur d'immenses espaces abandonnés. Les ruines industrielles sont énigmatiques, leur mémoire enfuie semble perdue. Ensuite, les gens arrivent, artistes d'origine étrangère pour la plupart, avec peu de traditions communes. Le problème de l'identité se pose immédiatement. L'espace du squat entre en résonance avec le problème de la mémoire. On ne sait pas qui a vécu là. On se retrouve spontanément à la recherche d'une mémoire imaginaire. Là, un sorcier incendiaire. Ailleurs, un peu partout, des grands sages désœuvraient. Chacun trouve à profusion des symboles, des totems, des fétiches, qu'ensuite il manie, puis transforme. Il naît à l'intérieur du squat une mémoire imaginaire. Ces artistes essaient de concrétiser sous forme d'art des cérémonies, des totems, des parures. Comme la grande majorité des gens que j'ai rencontrés au squat, j'ai fait vivre l'élite que j'ai trouvé dans le Talmud.
Elle est présentée comme la première femme qui existait, mais qui était féminine tout en étant égale de l'homme, et qui vivait librement, et qui pour cette raison aurait été supprimée par le Dieu de la Bible. Le squat, c'est ouvrir un espace et partir. Si on veut rester, on ne peut plus parler de squat. Arcloche a duré longtemps. Des clochards l'avaient ouvert en 1980. Les artistes ont commencé à s'y installer 2 ans plus tard. Je suis arrivée en 83. Puis il y a eu des procès. On jouait le jeu. On se faisait connaître par des festivals. Conversation secrète sur Arcloche en 1984.